Bien peu de lecteurs connaissent Jean Follain, et encore moins de jeunes amateurs de littérature, et pourtant c'est l'un des poètes les plus proches, les plus accessibles qui soient. Il était né en 1903 à Kenizy, dans le Cotentin. Il a disparu en 1971, happé par une voiture, devant le souterrain des Tuileries. Ce chantre du concret, du quotidien, du travail des champs, des outils, de la pomme de terre, était l'égal et l'ami de Francis Ponge et de Jean Tardieu. De 1926 à sa mort, Jean Follain a tenu de précieux agendas dont Claire Poland nous livre une exemplaire édition publiée chez Segers. Sa vie littéraire est là, mais aussi sa carrière d'avocat puis de magistrat, ses tentations, ses espoirs. Journée du possible ami, écrit-il un soir de 1929. Peut-être s'agissait-il d'André Dhôtel, un grand écrivain de territoire comme lui, auteur d'un précieux Jean Follain, réédité chez Segers également. Jean Follain écrit par exemple. La vieille dame essuie un œuf avec son tablier d'usage. Œuf couleur ivoire et lourd que personne ne lui revendique. Puis elle regarde l'automne par la petite lucarne et c'est comme un tableau fin aux dimensions d'une image. Rien n'y est hors de saison et l'œuf fragile que dans sa paume elle tient reste le seul objet neuf.